Salut tout le monde, épisode 16 de Sun Guardian, on ne s'est pas perdu de vue. On va reprendre l'aventure pour ce disque 8, l'ancien empire. On est tout juste à l'entrée, donc on se rappelle qu'il y avait un pilier de zombies, de plusieurs zombies qui étaient à l'entrée. Puis juste après, on a eu des minigunners ici, deux minigunners. Donc là j'ai clean un peu l'entrée, du coup c'est beaucoup plus propre. Et bien écoutez, on va poursuivre, c'est parti, on y va direct. D'entrée de jeu, on va regarder ce qu'il y a. Voilà, il y a des zombies à la hache et tout. Ça, c'est pas trop grave en soi. Oula. C'est des quoi? Des tank knights. Donc, des chevaliers tank. Ouh, putain, ils mettent des coups de hache. Why? Ils m'ont pété un truc, là. Qu'est-ce que c'était le bruit? Je sais pas ce que c'était, mais bordel. En tout cas, ils sont très résistants. Bref, ça commence très bien. Allez, on va manger leur viande. En tout cas, j'ai beaucoup de frise là, donc je vais... Vous savez quoi? Je vais essayer d'attendre un petit peu que ça se calme. Là, il y a un truc là en haut. Ok, c'est bon, j'ai déclenché le spawner. Parfait. Ça ne va plus nous embêter. J'imagine que c'est là la suite. Ok, l'entrée est là. Des fantômes de partout. Ouh, sa mère. Oh, sa mère. Ok. Ok, c'est chaud. Fuck les swarmlings. Ah bah tiens, il y en a un qui s'est fait aggro sale. Ok, parfait. Bon, écoutez, moi j'hésite pas à utiliser cette arme. Ok, lui il est résistant, beaucoup plus que la moyenne en tout cas. Ok, oh, potion. On va essayer de péter les spawners comme ça à la sauvage. Bon, lui je vais l'avoir, hop, le petit swarming. Bon, petite introduction directement. On va se cacher derrière les bûches. Bon, on n'est pas du tout caché, mais en tout cas ça sert un peu d'angle mort. Il y a énormément de morts. Après tu me diras, la zone est plate et... Ah tiens, spawner ici. J'avais pas fait gaffe. Oh, salut toi. C'est un type de fantôme différent, ça, ça. Ah, ça donne slowness. Ok, d'accord. Un petit slowness au calme. Ah bah là, explosion carrément. Donc on peut voir derrière que la zone a pas été travaillée. Je vais repasser par là. J'avais envie de prendre cette entrée, donc il y a un petit quelque chose. Il y a encore les chevaliers tanks. Oula. Allez, on va essayer de casser le spawner. Allez, c'est parti. On a Iron Chestplate, mais je vais prendre quand même. Putain. Oh, je sais pas d'où il venait, mais bordel. Ok, il y a des entrées, il y a des sorties, il y a des choses. Allez, on va reboucher un petit peu quand même. Allez, on va voir ce qu'il y a là. Oh, une entrée avec beaucoup de creepers. Oh, il est invincible. Ok. En tout cas, jusqu'à présent, ça va. Ici, on a des thunes, un petit sunshield et de l'émeraude. Nice. Bon, en tout cas, l'entrée était... Oula. Jusqu'à présent, ça va. Un petit coffre là, Unbreaking 3, on s'en fiche. Ça, je prends, tac, et voilà. Allez, on va tout mettre dedans. Oh, bonne sharpness 1, knockback 1, je suis mort. Il y a l'air d'avoir de l'activité en dessous, hein. On va pas se leurrer. Waouh, le nombre de creepers. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? C'est juste un truc qu'on peut déplacer. C'est ouf. Ok, bah là je viens de le péter, je suis mort. On va continuer l'explo. Donc on a par exemple ce bâtiment. Pas très confiance non plus en cet endroit, hein. Salut. Bon, il y a que ça. Et tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Des blocs de charbon derrière. Ok, good. Alors ici on a Arc Chest Plate. Projectile protection, protection and breaking. Ok, c'est de la bonne résistance. J'aime bien ces plastrons uniques. Même si en soi, bon, bof. Enfin, même si en vrai, voilà quoi. Il y a beaucoup de sorcières dehors, c'est terrifiant. Potion de force 2. Ça peut servir, les forces 2. Je vais la garder à portée de main ou alors, je sais pas, ça. Mais what the fuck? Le nombre de sorcières qu'il y a autour pour que ça fasse autant de grabuge. Ouah, ça va vite, hein. Ils mettent au moins un coup, forcément. Parce qu'on n'a pas tout le temps de riposter. Aïe. Là, on a du mending. On a un Scrolls of Ultimate Doomsday. Ça peut servir. Je crois que je vais devoir m'en servir là bientôt. Alors, où est-ce que je peux passer en dessous? Oh shit. En plus, ils prennent pas knockback. Oh, le dédale est insane. Ok, donc c'est juste un bouclier classique finalement. Je vais pouvoir faire chauffer ici. Ah, c'est là que vous êtes, hein. Eh ben, je vais pas y aller. Allez, on va poursuivre là. Finir le même étage d'abord. Ok, non, c'est juste l'entrée classique finalement. Oh, il y a un pit de lave là. Il y a plus de lave. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Oh! What the fuck? Oh, il y a des TNT de partout en plus. J'ai réussi à enlever la source normalement. Ah, la TNT de je sais pas quoi là. Oh, la folie. Ok, 4. Oh, le casque. C'est bien ça. Efficiency 5, mending, tout ça. Je prends la TNT également. Ça, on s'en fout un peu. Là, il y a quelque chose derrière. Oh. Ça a été pété par le truc Rune of Breaking et Rune of Explosion. Nice. C'est le creeper qui l'a pété. Bah j'ai une très belle récompense là. Je suis très content. Ici on se barre. Oh shit. Je vais ranger mon armure. Allez good, on continue. Putain, c'est terrible là ce que... Trop de sorcières ici. Holy shit. Oh, le nombre de chevaliers qu'il y avait, c'était terrible.
Ça c'est nettoyé. What? C'est quoi ces trucs? C'est quoi ces trucs? Oh waouh, ça fait super mal les ordelettes. Oh, j'ai paniqué, en plus j'avais mes torches en main. J'en ai posé 40 000. J'ai énormément de flèches. J'ai ça, des scrolls de bâtard. Banaf Arthropod. Oh, Spectral Arrow. Sunbreaking, des flèches. Ok, donc en haut il y a énormément de... Putain, ils descendent. Normal, hein. Wow, ça descend normal ici. Oh sa mère! J'ai pas réussi à le toucher, genre. Oh, allez, il faut qu'on y aille là. Pourquoi il y a des enchantements ici? C'est ça que je comprends pas. Il y a des particules là autour de celui-là. Est-ce que les Tank Knight, les chevaliers Tank là, ils ont tous ces trucs? En tout cas, ils sont assez intelligents pour descendre les escaliers. Ok, là je l'empêche. Ah bah, je l'empêche pas du tout, hein. Il s'en bat les couilles. Ok. Bon, là j'ai réglé la zone. Ici on a des pantalons protection 3, c'est good. On a ça, Sels Magical Dagger. Très bien. Et des bottes protection 4. Putain, j'en aurais besoin. Hein. Ceux-là vont bientôt péter et je veux vraiment pas les casser. Donc ça m'arrange. Un bouclier et ça ici. Ça je prends. Et la tête de zombie. Il y a un autre coffre caché là. Tac, tac, tac. Pas grand chose de plus à explorer. Là je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, ça c'est quand j'ai pété le truc. Donc ça c'est des Alpha Ordelettes. Ok, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ça continue ici, hop, d'accord, un petit spawner là. Oh, mais c'est de là que ça vient en fait. Oh shit. Oh, il m'a éclaté la gueule. Pouah, j'ai aligné les trois d'un coup. Alors la vraie question c'est d'où viennent-ils? Moi j'ai vu des zombies là briller. On va analyser plus en profondeur. On va checker d'où cela peut venir. Ah, par là. Ah, c'est juste des zombies qui sont perdus, je suis mort. Un minimum de respect quand même. Ils vont mourir dignement. En vrai, je peux ramasser la source. Bon, c'est pas grave. En fait, il y a trop de sources d'eau. Faut que je fasse attention aux pièges qui sont cachés dans la neige. Là, ça, c'est terrible. Donc ça, j'ai exploré. Oh, il y a un spawner. Là, il y a un spawner, là. Ok, c'est bon. Oh, le piège. Oh, sa mère. Comme quoi, je parlais de piège tout à l'heure. Oh, le gaz donne de l'émeraude. Le gaz t'a donné de l'émeraude. What the fuck, cet endroit? Bon, allez, checkons. De Slayer. Donc, Smite 4, Sharpness 1, Unbreaking. Ça, c'est une bonne hache. J'aime bien. Alors, juste, qu'est-ce qu'il y avait en dessous? Cette tour, je ne l'ai pas explorée. C'est pas une tour à explorer. Ici, qu'est-ce qu'on a? Casque protection 3, des bouteilles, cookies. Bon, écoutez, pour le moment, on est très bien. C'est un bloc de fer, ça. C'est un bloc de fer à la surface. Je crois que c'est un bloc de fer. Je vais aller checker. Oh, je sens la trouvaille de folie. Ça, là, c'est quoi ce bloc? Alors, c'est vraiment juste plus haut. Faut juste que je creuse un peu plus. C'est un bloc de fer. Mon dieu. Nice. Bon, après, en vrai, du fer. Mais quand même, ça fait plaisir. Oh là 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 là, mon salaud, block of iron. Aïe 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 aïe. Tac, on va aller tout en haut là. Allez, on va passer par là. Ok, ils se fight entre eux. On va les laisser continuer. Oh, ça donne blindness. Ok, on est aveuglé si on est à côté d'eux. Oh, les armures sont broken. Ah, mais la Red Shulker Box, elle est remplie de stuff aussi. Ah, il y a tellement de trucs. Oh bordel, je suis rempli sa mère. Ah, mais je vais pouvoir profiter des fours en fait. J'ai d'autres combustibles. Hop, petite pomme d'or, c'est cadeau. Tant pis pour la vitesse, mais là, faut vraiment pas qu'elle meure. Et voilà, on est très bien comme ça. D'accord, c'est un coffre. Nice, des scrolls. Des scrolls et un rune of breaking. J'ai pas la place. En fait, l'étage menait là directement. C'est un piège, ça. Oh, ça pue le piège. Waouh. Oh, le niveau de danger. Tout ça pour un rune of explosion. Oh, ouais, j'ai réussi à en avoir quand même. Dans mon malheur, j'ai finalement un peu de bonheur. Un peu de réconfort. Là aussi, on a des spawners. Oh, des cave spiders. Oh, waouh, la movement speed de lag. Oh, elle a été incroyable. Je vais t'adopter. Deux secondes. Ça arrivera, mon pote. Je vais t'adopter, t'inquiète. Oh, mais il est là, le portal key. Ok, good, je l'ai. Shit, la cave spider. Oh, putain, t'es gourmand, toi. Voilà, c'est bien. Allez, donne de l'émeraude, toi. Regardez, ça donne de l'émeraude. Ah non. Oh, la déception de ouf. Il est là, le spawner. Je vais l'éclater. J'ai pas l'angle adéquat. En tout cas, c'est au-dessus de cette tour. Ça, c'est sûr. Je vais devoir y aller franco. Ok, c'est bon. Oh,
Hop là, atterrissage réussi. Ça c'est pas une cave spider. Il attaque pas les creepers. Ok, ça c'est l'araignée de mes couilles. J'ai entendu le creeper, hein, ne vous en faites pas. Oh le chien, il veut mourir. C'était risqué, hein, franchement. Là, la flèche était très risquée. Prends juste l'XP ici. Eh, je suis niveau 40, hein, bordel. Waouh, ah faut pas que je meure là. Donc où est mon checkpoint? Parce que bon, mais je sais même pas où est mon point de sauvegarde. De toute façon, j'ai rien visité, donc autant que je le fasse. Ça pue les coffres piégés, les gars. Parfait. Non, en fait, c'est pas piégé du tout. Je suis sûr qu'il y a des trucs cachés. Des blocs de charbon. En vrai, j'en ai tellement. C'est vrai que je suis en galère de torches, hein. En plus, on a un mur complet de charbon, là. Oh, là, on se met bien, les gars. Oh, je vais même casser avec ça, là. Magnifique, 25 blocs de charbon. Oh, un diamant! Oh, la gratuité, le diamant! Oh, je suis si riche, les gars. Ah non, non, ça m'est très, très bien, ça. Oh là 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 là. Je vais le stocker de ouf. Ok, ok. 50 flèches, on va visiter cette ville-là. Table 2! Table d'enchant. Oh là là, le checkpoint de malade mental. Ça y est, on a atteint un point de non-retour. Et du lapis en plus, mais qu'est-ce que c'est broken, les gars. Overworldly. A look into the horrors found beyond our own domain. Moon Scholar Rudeus. Donc des anciennes histoires qui se passent de génération en génération racontent que les monstres qui existaient avant détiennent la réalité. Pendant que la plupart se contentent de vivre leurs jours dans leur propre sphère, il y a une entité particulière qui a un but singulier de conquérir toutes les dimensions. Dans les anciens textes, cet être goes by many names, donc on l'appelle de plusieurs noms, mais il apparaît que plus fréquemment on le référence en tant que the Dark One. Donc parmi tous ces pouvoirs horribles, donc il est dit qu'il peut contrôler les pensées des mortels et des créatures en deçà, invoquer des monstres et même bloquer le soleil. Les anciens textes disent que les gens en position de pouvoir sont corrompus. Et ils deviennent fous et ils commettent des actes de heinous act, donc des actes terribles. Though this is most likely just a fiction used to explain the actions of horrible dictators in the past. Ok, d'accord. As the text continues, it describes the home dimension of this creature when we capture soul. Ok, d'accord. Donc apparemment, il peut transformer des âmes en hideuses créatures cochons, donc ok, et qui sont usées dans les légions ténèbres. Et donc, dernier mot pour toi, dear reader, cher lecteur. Are that we should consider ourselves lucky. On doit se considérer chanceux que des anciens trucs. Ouais, sleep well knowing that our dimensional reality are safe from such horror. Ok, bon. Bah, merci, j'ai envie de dire. Il y a quoi? Est-ce qu'il y a Silk Touch? Il y a Silk Touch. Je vais prendre ces bibliothèques. Ah, c'est trop bien. Là, je vais farmer des bibliothèques. Je vais faire des enchantes niveau 30 là. Putain, nice. Nice, nice, nice. Trop, trop bien. Il me faut 15 bibliothèques normalement. Si je me rappelle de ma théorie minecraftienne pour pouvoir faire des enchantements niveau 30. Putain, là c'est trop bien les gars, on a débloqué les tables d'enchantement. Oh là là. Que je prenne des livres, là il y a du bois à donf, c'est fait exprès. Hein. On va récupérer les livres et faire des trucs. En vrai ça peut être une base ici, hein, techniquement. Même si j'ai mon spawn. En fait tout est trop bien là, j'aime trop cet endroit. Donc là on doit avoir des bibliothèques. Là on a des livres. Et là surtout là. Il faut que je trouve le checkpoint là qui s'accompagne de... Là on n'a pas besoin de plus. Maintenant faut vraiment que je trouve d'où je peux m'endormir. Là il y a une inscription qui m'intrigue depuis tout à l'heure. Road to Tundra Town. Ok, c'est la ville... de la toundra. Oh, what. C'est un spectre. Oh, il est là. Ah, oh, bah, il a peur. Bah, c'est malheureux, il a peur de moi. Enfin, du chien, du coup. Boum, je te dégomme. Eh, tous les chiens esselés, je vais les choper, mon gars. Et laissez-moi vous gérer, là. Et prenez mes os. Ils sont où, les autres chiens, là? Ah, il s'est fait buter. Oh, le frérot, mon gars, il va pas bien. Toi, t'es avec moi. Oh. Eh, les fantômes, là, ils font pas peur, ici. C'est moi, je vous domine là, les berserkers de je sais pas quoi, de pacotille. Plus vous me donnez ça là, parce que vous êtes des wither squelettes à la base. Voilà, voilà, retournez de chier dans vos culottes. Hop, oh un chien ici. Tac, t'es à moi toi. Oh, toi tu veux quoi toi? T'attaques mes chiens toi? T'attaques pas mes chiens frérot. Voilà, t'es mort. T'es mort mon gars, t'es mort. Laisse tomber ma troupe. Ici, est-ce que j'ai visité cette tour? Oui. Cette tour a été visée. Non mais la vraie question c'est où se trouve le spawn? Enfin le point de repos. Ça y est, j'ai enfin trouvé. Voilà, ici aussi. Oh, un des loups est mort. Oh le berserker. Oh le bâtard. Tu meurs pas frérot. Ok, là c'est la citadelle impériale.
Ok, c'est good. Moi, je vais poser mon checkpoint là. Est-ce que tous mes chiens sont avec moi? C'est ça la vraie question. Bon, j'en ai quelques-uns qui sont là, ça fait plaisir. Bon, allez, on va retourner à la maison. On va poser tout notre matos tranquillement. Oh là 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 là. Putain, on est ressorti, mais on a tellement de stuff. Oh là, les runes, j'en ai tellement. Putain, regardez, j'ai une chier de trucs. Carrément des potions de force là qui traînent. Là, on a franchi un cap hein, pour les niveaux. Enchantment time. On récupère ça et on fait. On va voir ce qu'on peut avoir de stylé. Pas des trucs de ouf, hein. J'ai pas mal de fer. Unbreaking 3. Punaise, ça pue. Sharpness 3, c'est très bien ça. Qu'avec Sharpness 3, je peux faire. C'est bien. Ça, c'est bien, c'est bien. Ok, on a protection 3. Je pense que je peux la faire direct. Parfait. Là, j'ai une Sharpness 4, c'est bien. Ici, respiration 3. Protection 3. Et ici, protection 3. Oh, bien, 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 bien. Ici, j'ai power 4. Protection 4, je prends. Ok, j'ai plus trop les niveaux, donc c'est pas grave. On va arrêter là pour le moment. Protection 4, je peux rajouter un Umbre. Là, j'ai du Sharpness 3, je peux rajouter un truc aussi dessus. Knockback, knockback. Du coup. Protection 4, mending, j'ai pas de mending à placer. Ah ouais, c'est vrai que les livres, maintenant, je peux les poser là-bas, là. On en a plus besoin, techniquement, de cet endroit. Sharpness 3, bah ça, c'est fini. Je peux tenter la Sharpness 5, en vrai. Est-ce que j'ai des couilles? La table d'enchantement, je vais la garder, du coup, dedans. Beaucoup trop précieux. C'est vrai que cette tenue, elle pue la merde. Elle va dégager bien fort. Je vais mettre un mercato, genre. Allez, protection 4, une breaking 3 qui m'aide bien ici. Ça me fait chier, malheureusement. Juste devoir réparer ces bottes de l'enfer. Ça aussi, je vais devoir les réparer. Pas d'unbreaking 3 à placer, là. Mais j'ai, ah, mais j'ai plus les niveaux, là. Aïe, 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 aïe. Le problème. Les problèmes, les problèmes. Ça, c'est bon. En fait, le plastron, j'en aurais aucun besoin. Je vais faire des réparations bottes. Ah, pour 18 niveaux, ça. Oh my god. Bah vas-y hein, écoute go. Allez pour 19 niveaux ça s'est réparé également. Ah, allez c'est des chaussures Gucci hein, sérieux. Protection 4, j'ai pas mieux. Ouais j'ai vraiment pas mieux. Donc en attendant je vais prendre. Et je vais laisser la All Faithful ici. Maintenant ce sera ma Sharpness 4 qui va prendre le relais. Parfait, là j'ai une meilleure épée. Oh yo yo, qu'est-ce que je suis yimbe. Prendre un lit avec moi. Est-ce que je peux me faire un petit colorant là pour le plaisir. Et on est Gucci. Allez c'est parti ma gueule. Oh là là, déjà au disque 8. Oh c'est tous les chiens qui m'attendaient ça. Oh shit. Oh la gueule de l'ancien empire quand même. Allez c'est parti, on y va. On y va, on y va. J'ai des chiens, j'ai des chiens. J'ai pas peur, moi. Oh, sa mère. Ok. Ok, parfait. J'ai aligné tout le monde. Voilà, ça c'est fait, ça. Ça, je les goume. Eux, c'est pas des problèmes. Tenez, les gars. Oh, il y a des cristaux de partout. Oh oh oh. Et venez, je vous donne à manger. Mais d'où viennent ces putains de ghasts? Faut que j'arrache le spawner là. Moi j'ai pas confiance en ça. Ok, là il y a des chevaliers. Eh hey, laisse-moi tranquille. Laisse-le tranquille frérot. Waouh. Oh putain, il défonce hein. Il pique le bug. Ah, il y a un mec en haut. Ok, d'accord, il essaye de me viser. Ah mais en fait je peux pas éclairer parce qu'il y a des tapis. Il y a des tapis de mort. Ok, ok, il veut ralentir mes liens chez moi. Oh shit. Ah, il fait des trucs comme les ghasts, comme les dragons. Oh shit, ça va, eux ils sont pas dangereux. Alors toi par contre t'es chiante. Oh shit, il est mort. Ah bah tous mes chiens sont morts. Oh, oh, oh. Je suis rentré dans la zone un peu chaude. Merde, il va me sniper lui. Voilà. Là je régène parce que j'entends des mobs et j'ai pas confiance. Il y en a un qui me prend par surprise, je suis mort. Oh putain, ils goument les potes. Oh, ils se goument entre eux, je suis mort. Ok. Oh shit, toi. Ok, 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 petit poison. Un petit poison au KLM. Ah mais attends, mais là il y a un truc là. Oh shit. Putain, il y a encore ces snipers de la mort. Oh, toi. 30 secondes de poison. Eh ben c'est long hein. Moi j'ai posé mon spawn là. Putain, j'arrive pas à trouver où est le spawner. Faut que je le démonte. Mais il doit être au-dessus de moi en fait. Jusque là j'y ai pas accès, c'est terrible. Ok, ça c'est fait. Là, il y a la suite ici. Damn. Laissez-moi tranquille, les bugs. Il y a encore un death sniper ici. Il laisse des pantalons en fer. Attends, faut que j'arrive à les faire tomber de loin là parce que c'est terrible. J'ai l'impression que c'est là-bas. J'arrive pas à le faire tomber là tout de suite, mais c'est pas grave. Oh, il y a des créatures. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Oh putain. Oh putain, ça fait si mal! Oh putain. Oh putain, ils combattent avec deux haches en plus. Oh putain. Ok, good. Putain, je l'ai lavé, mais... Enfin, lavé, non. Vraiment difficilement. Hein. La souffrance, c'était le mot. Tac, mending, je prends. Tac, tac, tac. Shit. Je vais mourir.
Oh fuck. Fuck. Qu'est-ce que tu veux toi? Laisse-moi tranquille. Ok, j'ai mon épée. J'ai pas mon épée. Aïe. Ok, good, 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 good. Ok, c'est bien. Ouh. Oh, je meurs. Je meurs, je meurs, je meurs. Oh putain, un demi-cœur. Ouh là 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 là. Oh non, pas le moment de tirer, frérot. T'aimes bien, mais c'est vraiment pas le moment de tirer. Ok, ok, good. On s'en sort, on s'en sort. Ah, j'ai eu la tête en plus. Le Death Sniper Trophy. Oh. Allez, tout ça pour ça. Spectre Eye, on s'en fout. On a fait ça pour ça. Oh, le Tank Knight qui fait mal. Oh, les coups de sharpness que je dois mettre, c'est terrible. Hein. Ça, ça fait exploser le sol en dessous. Ça a laissé place à un très bel endroit. MDR, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Oh, shit, ça fait mal, ça fait mal. Ok, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Oh, il y a un Death Sniper qui m'attend en plus là. Oh, ils m'attendent au tournant, ces petits bâtards. Waouh. Je suis clairement pas bien. Voilà, je suis pas annoncé grand gagnant. J'essaie de me couvrir comme je peux. Cet endroit prend feu, de toute façon, hein, j'ai foudroyé la zone. Donc tous les tapis vont brûler. Mais c'est pas grave, on n'est pas à ça près. On arrive après la tempête, avec les étages supérieurs. J'ai équipé Knockback 2 d'ailleurs. Suivez-les cet étage de rien du tout. Curieux de savoir ce que c'est quand même. Elle a l'air méga hostile cette zone. Franchement, cette tour elle mène à l'infini et l'au-delà. Bon, en tout cas, voilà, j'ai exploré tout l'étage. Juste récupérer les stuff petit à petit. Ah, c'est pour les têtes de creeper. Ça va être plutôt facile à obtenir. Oh, c'est de la teinte de glace. Ok. Et là, je vais utiliser ma bulky bow. Tac. Tac. Et voilà. Là, je lave tous les spawners. Bon, je vais récupérer ces verres. Peau de l'améthyste pour en faire. Oh, il est là, le de la mort. Aïe. Ok, nice, je les ai eus. Bon, bah, bon à savoir, ils ont... Et en plus, ils se donnent des fois des effets d'armure ou d'invincibilité. Oh, pris dans un mur, là, normal. Là, il a donné son bouclier. C'est juste des bunkers. Putain, j'ai pas accès encore au... Wind of Explosion, je prends. Là, on a quoi dans ce bunker? Je peux pas récupérer. Ok, c'est une fraude. Je pensais pouvoir récupérer cette ce jus de potion là. Mais tout n'était qu'illusion. Oh shit. What the fuck, je meurs. Oh waouh. Bon allez, on continue en haut. On avait des choses à faire. Voilà, ici il y avait des choses à faire. C'est bon, enfin bordel. Let's go. C'est ça la plus grosse récompense, honnête. Me faire, c'est de me débarrasser de ce spawner à gaz. Et en plus, il y a encore un accès supérieur. On a encore un accès plus haut. Et ben voilà, regardez. Si ce n'est pas beau tout ça. On a Unlight Spy. Oh, c'est plus 20% de speed. Et un Rune of Breaking. Bon, c'est toujours cool à prendre. Ok, 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 ok. Ah, il se bonne épée. Et ici, on se retrouve là. Avec encore des... Ah, c'est vrai que plus bas, c'est... Voilà, il y a tout ça là. Peut-être le plus de spawner possible. Voilà, c'est le chaos. On va le limiter. Paf, paf, paf. Il y a carrément des spawners cachés. Oh sa mère, je vais mourir. Oh sa mère, je vais mourir. Comment c'est pas drôle? Comment c'est pas drôle? Comment c'est pas drôle? Comment c'est pas drôle? Ouh ouh ouh, please please please, laissez-moi tranquille. Allez, lavons la zone, lavons la zone. Ok, parfait, là il y a un coffre caché. Eh ça va, je veux pas mourir là. Allez, laissez-moi tranquille. Moi je prends ça. Allez, ma satiété, s'il te plaît. Tout nous amène au sous-sol. Oh. Là, on ouvre le champ des possibles. Ok, c'est good, c'est good, c'est good, c'est good, c'est good. Please, 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 please. Oh, la slow de bâtard. J'essaie de réparer un peu les murs. Un checkpoint de bâtard. J'ai envie de le déclencher comme ça. Comment je peux l'allumer? Ah, je sais, avec ça. Ouais, non, en fait, j'ai la flemme. Eh, il y a un spawner caché, hein. Ah, mais il y a un spawner encore en haut. Bordel. Et on arrive dans ces magnifiques endroits. Le combat de boss est ici. What the fuck? Il y a un lit, il y a tout pour s'y plaire et c'est là où il y a le combat de boss. Non, mais dinguerie en vrai. Blast protection, protection 2. Et de quoi se faire cuire un œuf? Attends, en vrai, je suis un peu choqué là. Une enclume, ça c'est bien ça. Ça pour détruire les enchantements, j'aime bien. Voilà, ça dégage. Je vais garder ça avec moi. Un item rare, cette grindstone. Et du coup, ça rend ces items useless. En tout cas, c'est le thème du creeper là qui est en vogue. Là, on voit que des creepers depuis tout à l'heure. Là, il y a une tête de creeper.
Là, des creepers. Là, il y a tellement de choses là. Putain, c'est folie là. Là, je vais tout edge, hein, j'en ai plus rien à faire. Tac, tac, ça devient du stuff en fer classique. Protection 2, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ouais. Efficiency 3 mending. Oh, let's go. C'est bon, j'ai ma pierre. Oh, diamant. Je peux me faire une épée de Breaking 3. Bon, j'ai pas grand chose de Breaking 3. Pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que le mieux, c'est quand même un casque. Oh, la drill, je peux l'enlever. Oh, je peux enlever la Power 10 aussi. Techniquement, je peux. C'est let's go. Hein. Comme ça, je peux le conserver. Je vais garder. Maintenant, je vais prendre les scrolls. Ah non, j'ai pas l'autre type. Un Breaking 3, je peux le placer où ça? Hop, un petit shield au cas où. Normalement, on peut affronter le boss là dans le drapeau de la Fren. Oh là, j'ai du poulet tandoori. Est-ce que ça c'est bon? Normalement, oui. Allez, je dors. Et on va y aller. Oh mon dieu, je stresse. Je stresse. Ça va le faire, ça va le faire. Ok, c'est parti, ma gueule. Yo, what's up, Sun Guardian? C'est le Warhead. I have been... Oh, il attend. Master. Oh, le maître veut ma tête. Mais maybe, on sera... peut-être qu'on sera pas ennemis. On a beaucoup de choses en commun. Je sais que tu tues des monstres. Ça, c'est cool. You get off on killing monster. I get the same exact feeling when I blow up human. Oh, il a la même chose quand il tue les humains en milliers de morceaux. Mais, bon, il est là pour avoir la relique, donc je vais faire ce que je peux. You got guts on take me on. Il est content. Ok, c'est parti. Oh shit, il est là. Putain. Oh, il fait exploser la map. It's exploding time. Oh bordel. Oh bordel. Ok, ok, fais péter ça. Je vais utiliser ça, hein. Oh putain, il fait mal. Oh shit. Tiens. Wow. Je me suis fait tuer par mon propre mob. What the fuck. Comment je récupère mon stuff? Ah, comme ça. Ok, ok, ok. Oh, ça va être chaud, ça va être chaud. Bon, plus jamais je réutilise mon truc. Ça, au moins, c'est fait. C'est ma potion de force, indirectement. Ok, c'est parti, ma gueule. Ah, oh, je peux pas t'avoir. Allez, viens. Allez, viens, ma gueule. Viens. Je te chope, moi. Je te chope, moi. Oh, la potion de force qui fait effet, là. Là, j'ai fait très mal. Ok, ok. Je fais péter un peu la map, un peu plus. Tiens, tiens, je te boum, toi. Oh, oh, oh. Attention au creeper. Tac, 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 tac. Je l'enchaîne, je l'enchaîne. Allez, je continue de manger des pommes. Je ne m'arrête pas. Oh, il s'était fait à moi, c'est pas grave, ça. Oh, il est invincible. Ok, 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 je le prends bien fort là. Oh, il y a des creepers de partout. Il me lance des creepers. Oh, je l'ai eu. Hop. Oh shit. Oh shit, je vais mourir. Ok, il continue de faire péter la map, ça c'est pas grave. Hop, 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 hop. Je continue, je continue. Oh shit. Oh. Oh, il y a mon pantalon qui a pété. Non. Non, 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 non. Shit. Ok, je régène. Ah. Quoi? Il a réussi à m'éclater la gueule. Mec, j'ai tout cramé et j'arrive pas. Bon, écoutez, les gars, mode concentration activé, je ne parle plus, c'est parti. Thank you.
J'y arrive pas, il est trop fort. Il me pète toute mon armure à chaque fois. Et là, je crois que je vais devoir abandonner. Je vais retenter une dernière fois avec... Allez, on retente une dernière. Allez, on va se le faire à la sauvage. Parti, 3 minutes de force. Putain! Les gars, c'est pas possible. Bon, allez, j'abandonne. Ce boss est beaucoup trop fort. C'est pas une blague, hein. J'abandonne vraiment, les gars. Bon, écoutez, vous savez quoi? Je vais mettre fin à l'épisode là. Donc, je vais vous dire au revoir là. Prochain épisode, on va essayer de le rebattre à nouveau. Là, je ne promets plus rien. Là, le boss est juste beaucoup trop dur à battre. Et en plus, on peut même pas revenir chercher le stuff. Donc, écoutez, je vais me refaire un stuff pour l'épisode prochain. Et je vais continuer d'explorer cet endroit. Et on va. Voilà. Ça va être juste ça, le programme de l'épisode suivant. Bon, allez, ciao!